Hier, 12 novembre, le Burkina Faso a commémoré conjointement la Journée internationale de la paix et la Journée internationale de la tolérance. Et c'est le chef-lieu de la province de la Sicile qui a abrité l'événement. Peuple burkinabé, acteur de défense et de promotion de la paix, c'est le thème qui a été retenu cette année. Et c'est le Premier ministre Yacouba Isaac Sida qui a présidé la cérémonie officielle de cette commémoration. Le reportage de Amadou Ologui. C'est en 1981 que l'Assemblée des Nations Unies a institué la Journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre de l'année. Plus d'une décennie après, en 1995, l'UNESCO adopte une déclaration de principe sur la tolérance, une déclaration proclamée le 16 novembre de chaque année. Compte tenu des contraintes liées au délai imparti à la transition, le gouvernement de Burkina Faso décide de commémorer en même temps les deux journées, et c'est Léo dans la Sicile qui abrite les festivités commémoratives, un événement qui coïncide également avec le processus électoral en cours au Burkina Faso. Je tiens encore à inviter toutes les populations et tous les acteurs politiques à cultiver les valeurs de tolérance et de paix pour des élections apaisées, libres et transparentes, dont les résultats, sans contestation, conduiront le Burkina Faso vers des lendemains meilleurs. Au cours de cette cérémonie, plusieurs communications ont été faites sur des thèmes en lien avec les valeurs de la paix et de la tolérance. On doit accepter les limites de chacun, on doit accepter les erreurs aussi, on doit accepter que nul n'est parfait et que de ce fait, chacun a quelque chose à apporter pour la construction du pays. Au-delà de cette journée commémorative à Léo, des séries d'activités, dont une tournée de théâtre forum, des causeries éducatives, de conférences, de concours de sketch et de poèmes sont également au menu du programme.